Ça y est, on a enfin récupéré ce fichu anneau. C'est la forêt de Carnan. Inutile de t'en soucier. Talion. Nous devons bâtir une armée. Là. Ce campement est plein de guerriers. Nos guerriers. Acte 2, ascension au pouvoir. Domination. Utilisez le nouvel anneau pour bâtir votre armée en dominant les orques. Passez en mode furtif et appuyez sur pour dominer furtivement la cible. Ordre du mort furtif, maintenez rond pour dominer un orc. Toutes les compétences de drainage permettent désormais de dominer la cible, comme l'interrogation d'un verre. Mais vas-y! Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Tu ne peux qu'avancer plus avant dans la nuit. J'y suis là, vas-y. Nos archers seront plus que nos armes. Ils seront aussi nos yeux. Ah, faut s'approcher. Les guerriers vont être forts, mon anneau les domine tous.
Non, non, non. Commandement des partisans, les orques dominés attendront que vous les activiez en appuyant sur flèche du bas pour attaquer leurs anciens alliés. Si vous engagez le combat, les orques dominés à proximité s'activeront automatiquement. Non, pas lui, lui. Ils sont en train de se faire déglinguer. Une herbe à furtivité, chétif, nourriture pour bêtes, dégâts d'attaque à distance, dégâts par exécution, destructeur, à l'épreuve du feu, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va déverrouiller, quoi? Qu'au final, au sol. Négociation brutale, représailles.
Hôtelisation. Ouais, après. Gun empoisonné. Chaîne spectrale. Ça pourrait être utile, ça. Je vais acheter ça plutôt. Coup final au sol. Voilà. Inventaire. Une nouvelle armure. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Violente nature. Une étrange musique provenant de la forêt de Nuren vous attire. Il est temps de répondre à son appel. Le retour du nouvel anneau vous permet d'exercer votre domination sur vos ennemis. Il est temps d'assembler une armée. On va aller faire ça d'abord. Où c'est? Là-haut. Oh, il faut monter. Nous, on a pas peur. C'est parfait pour notre cause. Bon, ça. Ce qui est arrivé à l'Itarien, à son peuple. La reine Marwen, c'est elle qui a eu la première l'idée d'une armée orque. Cette fois, ce sera différent. Nous avons le nouvel anneau. On va faire ça. Commencez. Ah, moi aussi. Domination de capitaine. Vous pouvez recruter des capitaines parmi vos partisans. Pour recruter un capitaine, attaquez-le jusqu'à ce qu'il soit brisé, puis maintenez bon pour le dominer. Ok. Bah, il l'attaque carrément. Toi, tu viens avec moi. Toi aussi. Voilà. Toi, apparemment, ça t'amuse de faire du lancer de hache. Tu viens avec moi. Allez. Si t'es fait, tu pourrais me chatouiller, mais tu risques pas de me faire un peu fou avec ça. Aïe. Et de deux. Et de trois. Thank you.
Viens, on recrute. Tu sers le Seigneur de Lumière. Seigneur de Lumière maintenant. Lumière, ténèbres, symbiote humaine. En tout cas, je démembre des membres à nous. Comme j'aime bien faire ça, je gagne à tout. Moi, c'est moi, et désormais, je suivrai comme toi. Personne ne t'approchera sans mon accord. Ne t'en fais pas, pour mes ennemis. Ils finiront tous par me suivre, crois-moi. Si tu veux imposer ta marque au bord d'or, il y a les franches. Il y a une forteresse par toi, dirigée par un troll à trois têtes, grand comme une montagne. Et drôlement futé. Normal, s'il a vraiment deux têtes. Si tu le bats, tu envoies un message à Sauron. Et en bonus, tu gagnes une nouvelle baraque au passage. Pour ça, il nous faudra du monde. Rassemble tes armes. Tout de suite, mais tu me laisseras lui faire sauter ses deux têtes, d'accord. Ils ont fait des orques stylés, quand même. Contrôle de la région. Brut veut vous aider à vaincre le chef suprême et à prendre la forteresse de Nurnen. Cette région est contrôlée par la forteresse de Sharksburg, qui est sous le commandement d'un redoutable chef suprême. Pour commencer votre conquête de Mordor, vous devez attaquer et prendre Sharksburg. Améliorez la force de votre armée en recrutant des capitaines supplémentaires qui serviront de meneurs d'attaque dans votre groupe d'attaque. Appuyez sur R1 pour voir les améliorations de siège de la forteresse. Les chefs de guerre sont les plus puissants soldats du chef suprême. Ils sont responsables des améliorations de siège, les formidables défenses de la forteresse. Vous pouvez attirer un chef de guerre en effectuant une mission de confrontation. Une fois attiré, le chef de guerre peut être tué directement ou dominé pour le recruter dans votre armée. Tuer ou dominer un chef de guerre avant l'assaut permet de désactiver son amélioration de siège, ce qui affaiblit les défenses. Brut a rejoint votre groupe d'attaque en tant que meneur d'attaque. Recrutez d'autres capitaines pour votre groupe d'attaque et dépensez des myriades pour leur acheter des améliorations de siège. Alors, est-ce qu'on peut l'améliorer? Sapeur. L'armée en attaque est renforcée par un groupe de sapeurs explosifs qui chargeront les portes de la forteresse. Cavalerie. Un groupe de chevaucheurs de Caragor renforce l'armée en attaque. Hologai, l'armée est renforcée par un groupe d'Hologai capable de détruire les murs de la forteresse. Est-ce qu'on peut acheter les trois ou pas? Là. Voilà. Ah non, c'est un ou l'autre. Ok. Meneur d'attaque. Et lui, il me plaît, là. Les orques épiques sont plus puissants que les autres. Chacun d'entre eux possède un tribut épique spécifique comme une puissante attaque ou une arme. Ou encore la capacité à se soigner ou à appeler des alliés. En tuant des orques épiques, vous obtenez des équipements épiques. Les orques légendaires sont encore plus forts et possèdent deux attributs épiques. En tuant un orque légendaire, vous obtenez de l'équipement légendaire en rapport avec sa tribu et sa classe avancée. Ok. Lui, il me plaît bien.
Alors. Agression brutale, est-ce qu'on peut pas améliorer ça? Chaque émission. Puissance à chaque fois que vous subissez des dégâts en combat. Ouais. Puissance fatale, les frappes réussies à l'épée vous font gagner beaucoup plus de puissance. Non, je vais prendre ça plutôt. Il est important d'affaiblir les forces de l'ennemi. Mais ce qui compte le plus pour gagner, c'est renforcer notre armée. Il faut que je pense à nourrir les caracoles ce soir. Guide. Distance. C'est pas ça. Annexe. Alors, on va aller libérer ça. Moment 2. Le 15. Et voilà. Alors, c'est quoi ça? Capitaine inconnu. Ça c'est quoi? Vision du roi sorcier. Les Nazgûl vous traquent à travers le Mordor grâce à son palantir. Rejoignez Eltariel pour leur faire face. Capitaine inconnu. Voilà. Ici. Quelqu'un devrait nettoyer les étages, mais ce sera sûrement pas moi. Ah!
Alors... Une patrouille. Quoi qu'ils cherchent, c'est nous qui trouverons. Voilà, lui est avec moi. Tu es à moi. Voilà. Oh, il est stylé, lui. Par contre, il faut... Je trouve quelqu'un qui puisse me dire ses faiblesses. Hop. Alors, Astamologre. Cible tendre. Les attaques à distance lui infligent des dégâts importants. Hébété en cas de brûlure. Blessé par exécution. Il est entouré par des... Ouais, on peut pas se cacher. Il devient enragé quand la santé est faible. Ok. Toi, tu viens avec moi. Ensuite. Monte. Wow.
Aïe! Voilà. Ah, j'ai pas de flèche. Ah mince. Bon bah c'est dommage. Là. Oui, il m'en manque 3. Il m'en manque un. Oui, voilà.
Poulet. Mais bon. Ah, là, des flèches. Hop. Ensuite. Hallucinations. Attendez. Voilà. Lui, il est avec moi, capitaine inconnu. Oui. Tête fragile. Dégâts d'attaque à distance. Arme maudite. Assassin, lancer de couteau. Rangé par les mouches de Morgaine. Alors, lui, lui. Vulnérable aux exécutions, tête fragile, peur de la brutalité, attaque à distance, arme enflammée. À l'épreuve du feu. Ouais, il a un casque en feu, le mec. Il peut se faire cuire des brochettes sur la tête. Ah, mais. Thank you.
Ah, c'est lui qui m'intéresse. Terreur des araignées, médecine hystérique, chétif, attaque à distance, bombe, mine, destructeur, rangé par les grogues, insensible aux exécutions. Ok. Furtivité, tête fragile, attaque à distance. Ah, il peut appeler un Krog. Faire gaffe avec celui-là. Sensible aux exécutions. Okay. Alors lui, il domine lui. Le soutien sanglant. Vulnérable à fertilité, peur de la brutalité, attaque à distance, arme enflammée, commandant. Enragé par les lâches. Bagne de guerre, appel de renfort. Ensuite, lui. Plus globe voyable. Alors, malhabile, vulnérable aux exécutions, peur des caragors, peur des grogues, avec attaque à distance, tireur d'élite, pose des pièges, lui. Non, pose pas de pièges. Enragé par malédiction, vigilant face à la furtivité. Oh, ok. Vulnérable aux exécutions. Ok. Vendetta en ligne. Pénétrer dans le monde d'un autre genre et chasser son tueur. Je m'en fiche de ça. Bon.
Alors... personnage... Non... Et lui... Caragor... Pourrait faire lui... Ça c'est quoi? On détend en ligne... On va faire lui... Là-bas... Alors lui, il est lié à celui-là. Pache le trancheur de tête. Attaque à distance. Colosse, la puissante. Engagé pour malédiction. À l'épreuve du poison. Oh, pardon, monsieur. Merci. Le Mina a été vaincu alors qu'il attaquait la cage de matériel. Ah, avance! Thank you.
Recrutement impossible. Combat à mort. Ah non. Pousse-toi. Ok, en un seul coup. Allez, bouge. Il est mort comme un caca. Ah, il était trop fort. Alors, 153. Non, c'est pas intéressant. C'est lequel qui est mort? C'est lui? Bug l'aluminium. Destructeur. Puis trop loin. Trop loin. On va essayer celui-là. Donc c'est quoi ses faiblesses à lui? Aux exécutions, cette fragile et les dégâts à distance. Ah, je peux pas passer. On va en profiter pour faire la tour en même temps. Hop. Hop. Pourquoi il part toujours à droite? Voilà, il m'en manque un. Ah, voilà.
Débrouiller une aptitude. Ça, voilà. Une exécution. Inversons les rôles du condamné. Lui. Richard le timide. Peux-tu en un coup avec un tir chargé à la tête, un tir puissant ou une frappe de l'ombre? Nourriture pour bête, tremblement, dégâts par exécution. Frappe des ténèbres, frenzy meurtrière, vigilant à la furtivité. Non! Il est là-bas. Look. Funérables exécutions. Arrête de te planquer. Il est mort.
Taille ta tête. Ah ben si, capitaine, vous ne pouvez pas recruter ce capitaine car son niveau est trop élevé. Pour réduire le niveau d'un capitaine, rabaissez-le en appuyant sur... Et alors ? Voilà. Essayez de me forcer la main. Parfait. Parfait. Le sang coulera. Que quelqu'un chope ce gars. Dis-moi ce que tu vois alors. Je suis le Caragor. Ah, survécu les problèmes. Je recrute. Bah en retraite. Allez, voilà, c'est bon. Oh, l'autre.
J'ai pas peur. Prends-garde comme garde du corps. Quiconque veut parcourir tout le monde aura besoin d'un coup de main. Enfin, pas moi. Évidemment. Si un jour je veux avoir besoin d'une bataille, je te tranche la gorge. Et toi, il faudra te faire quelques gros bras. Pas de quoi avoir honte. Votre nouveau partisan. J'ai pas donné l'ordre. Ce partisan garde du corps. L'ordre. Non. Hop. Au final au sol, agression brutale. Ça fait fuir les ennemis, empoisonner de loin. Mobilisation glacée, oiseau de proie. Voilà. Débrouillez, garde du corps. Vous pouvez à présent appeler les partisans que vous avez nommés garde du corps pour qu'ils se battent à vos côtés. Ok. Hé, où tu vas là? Oh, reviens ici. Barre-toi, c'est pas toi que je veux, c'est lui. On va le tuer, j'ai pas envie de lui courir après. Ok, je suis passé dessus, je l'ai tué. Ah! Voilà. Voilà. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a de... Une cape. C'est de la merde.
Cup de rôdeur. Voilà. C'est le même, mais pas de la même couleur. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Voilà. Allez, salut!